Je m'appelle Sacha Brodowski, j'ai 26 ans, je suis pick-up artiste et depuis maintenant presque 3 ans, j'ai une société qui se nomme La Vie en Rose et qui apprend aux hommes à approcher, attirer et séduire les femmes avec un succès constant. J'ai commencé un peu par hasard, je ne me suis pas dit tiens, un jour, je vais faire de ça mon job. C'est venu peu à peu. En fait, je suis parti aux États-Unis, j'ai découvert un livre qui s'appelle The Game de Neil Strauss. Je suis rentré en France, j'ai essayé, j'ai vu que ça fonctionnait plutôt bien. Et j'en ai parlé à un copain qui fait du droit. Voilà, il est en thèse de droit. Et il m'a dit, c'est génial, si un jour tu fais ça, Sacha, sache que je suis dans le bateau avec toi. J'ai trouvé un autre ami qui lui fait de la réalisation vidéo. En fait, il est réalisateur. On avait besoin aussi de développer l'image, et donc on voulait faire passer ça par la vidéo, et on s'est associés tous les trois, on a trouvé quelques investisseurs pour lancer l'activité, c'était donc il y a presque 3 ans de ça maintenant. La patience et la volonté, je sais qu'on a tendance à dire que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de cool, mais à l'exception peut-être de Mark Zuckerberg, de Facebook, de Google, 99,9% des entrepreneurs doivent se lever tous les matins pour sauver aussi leur boîte et bosser, 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 bosser dur. Donc la patience et la volonté, les deux principales qualités. Ça, c'est une super bonne question. J'ai tendance à être perfectionniste, donc je crois que la réussite, de toute façon, pour chacun, c'est assez subjectif. Me concernant, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et je ne sais sincèrement pas si un jour je me dirais j'ai vraiment réussi. Je pense que tous les jours, on peut se lever et faire autre chose de différent, et sans aller jusqu'à changer le monde, mais à faire mieux en tout cas.